Avec son client, c'est un courtier anglais, Paul Weber, qui vient de s'adjuger. Hello, Paul. Thank you very much. Congratulations. You're just we are in live on Franceire TV, and very lucky to be live in Franceire TV. Thank you very much, and also to have bought the top prize. So, why did you choose this horse? Why did you come here? Is that the first time that you come here? We come closer to the. Come. Here because of these brave owners who were in Australia Day. He was third in the Coppa d'Oro 3 weeks ago, and he runs tomorrow in the Grand, in the big race here tomorrow. That's why I'm here, but I'm buying one or two yearlings for friends of mine. Donc en fait, voilà, Monsieur Paul Weber est aux côtés de clients, de propriétaires qui sont là, qui sont propriétaires Australia Day, that's it. Australia Day, qui a été troisième de la Copa del Oro, la grande course hein, qui s'est disputée ici le 15 août, et qui court demain un grand prix. Et son leur ami Paul Weber en a profité pour venir et donc pour acheter quelques chevaux. So why did you choose this 44? She's a lovely filly and she's a half sister to a group winner already, and she'll be going to Jean-Claude Rouget. She'll be going to Jean-Claude and who bought her? Jean-Claude has bought her, and he has been looking after Australia Day for us. Since our horse ran in San Sebastian last time. Très bonne explication. Alors, voilà les explications. Cette pouliche avait un pédigré vraiment à l'avenant, etc. La sœur de Xanadu. Elle a été achetée par Jean-Claude Rouget. Et oui, Monsieur Paul Weber a acheté cette pouliche pour le compte de Jean-Claude Rouget, qui est venu. Jean-Claude Rouget came yesterday morning to see the horse. Yeah. Il sort de Philly, il a vu la pouliche hier matin, il a donc fait confiance à Paul Weber pour acheter la pouliche. Et donc Paul Weber nous a expliqué que le cheval Australia Day était confié en... était confié à Jean-Claude Rouget entre les deux courses, entre la Copa de l'Euro et cette course qui se dispute demain. Alors,